Des dizaines de milliers de manifestants dans le monde musulman, la colère provoquée par un film dénigrant l'islam s'est amplifiée ce vendredi, jour de prière. Au Soudan, les ambassades allemandes et britanniques ont été attaquées. La Tunisie, le Yémen, le Liban ou l'Irak ont aussi été le théâtre de violences. La centrale nucléaire de Fessenheim, la plus vieille de France, fermera fin 2016. François Hollande l'a annoncé en ouvrant la conférence environnementale. Une mesure très attendue par le milieu écologiste, qui juge toutefois l'échéance trop tardive. Le président a aussi tranché sur les gaz de schiste. Leur exploitation est écartée. Bruno Chollet, condamné à la réclusion à perpétuité, ce chauffeur de taxi clandestin était reconnu coupable du meurtre d'une étudiante suédoise en 2008. Jusqu'à la fin, Bruno Chollet a affirmé son innocence. Il va faire appel. Le prix du tabac va augmenter. Le gouvernement a décidé une hausse de 40 centimes. À partir du 1er octobre, tous les paquets de cigarettes coûteront donc plus de 6 euros. Il s'agit de la hausse la plus importante depuis 2003. À vos starting blocks, 16 000 monuments ou sites vous attendent dès samedi matin pour les journées du patrimoine. À l'Élysée, François Hollande accueillera lui-même ses hôtes dans la matinée de dimanche. L'an dernier, 22 000 visiteurs s'étaient pressés dans le palais présidentiel.